Tiens, pitchounou. Bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture. J'ouvre ce carnet de lecture dans la voiture. Ça, c'est, je le fais très rarement. Mais là, je vais vous expliquer. j'ai des livres, j'ai commencé à lire des livres. Donc, ce sont des mangas. Donc, je viendrai vous en parler à un autre moment. Là, j'ai eu juste une journée de bip. Mais alors, je vous raconte même pas, j'en ai pleuré devant mon ordinateur. J'en peux plus en fait, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie d'un point de vue administratif, signature des trucs, la galère. Donc j'ai décidé, je dois aller chercher mon fils au cinéma à 17h, il est 16h30, je vais un petit peu à l'avance, le cinéma est à côté de Gibert et je vais aller me faire un petit plaisir parce que voilà, je l'ai mérité et que j'en peux plus, ça va me faire du bien. J'ai besoin de penser à autre chose. Je suis tellement, j'ai mal à la tête, je suis barbouillée, je suis inquiète, des trucs pas cool. Bon, rien, ne vous inquiétez pas, hein, pour moi, tout va bien. C'est juste qu'il y a des procédures à faire d'un point de vue administratif qui passent par des systèmes. Par exemple, il faut des signatures, des signatures validées, tout ça. J'ai passé 3 heures à essayer de passer par le site France Connect Plus pour me connecter à un truc. J'en pouvais plus, ça marchait sur un autre navigateur. Bref, je suis au bout de ma vie. Donc, je ne suis pas censée acheter des livres. Je suis... normalement, j'ai atteint mon niveau budget. Budget, je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Mais bref, tant pis, hein, j'ai besoin d'un petit plaisir et ce qui me fera plaisir là maintenant, c'est d'aller voir s'il y a des choses qui me donnent envie, tout simplement. Si ça se trouve, j'achèterai rien, mais j'ai envie d'y aller, donc même si c'est 15-20 minutes avant de récupérer mon fils, ça ne me fera pas de mal, voilà. Donc si je filme, je filme, sinon je profite et puis voilà, donc c'était pour vous dire ça. Je vous montrerai peut-être après si j'ai pris quelque chose. Je vous laisse là. Dépense de bouquins. Bon, de retour, je vais me préparer une petite tisane je vous l'ai montré, j'ai trouvé celui-ci vraiment pas cher, 5,30€, en même temps il était à 7,09€, bon, c'est pas une grande affaire, mais j'avais envie de le lire, donc je suis contente. Parce que j'avais découvert Luis Sepúlveda avec le vieux qui lisait des romans d'amour et j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, je suis contente de pouvoir lire la suite. En plus, c'est un petit texte. Ça pourra se lire rapidement. J'ai pris d'autres choses, notamment pour un cadeau. Donc je ne vous montre pas tout de suite, mais je vous montrerai à l'occasion. C'est un cadeau que je vais faire. Bref. Donc je vous le montrerai. Le moment venu. Côté manga... graphique, j'ai pris celui-ci parce que il m'intriguait. Donc c'est Solanin de Inio Asano. On est chez je sais pas qui. Je sais pas, c'est grand format là, c'est quoi? Kana. Et c'est un tome 1, je pensais que c'était un one shot. Donc c'est une histoire d'amour. C'était quand même au rayon fantastique horreur. Je sais pas trop.
Une petite histoire d'amour drôle et triste entre Taneda et Meiko, qui n'en sont qu'à leur deuxième année dans le monde du travail. Voilà, j'avais envie de découvrir. En plus, j'aime bien ce format, c'est un format un petit peu grand. J'ai également pris celui-ci parce que j'étais trop contente de tomber dessus. Bon, il n'est pas énormément non plus... j'arrive plus à parler. Il n'y a pas de remise énorme puisqu'il est neuf, il est à 18 euros et là, il est à 15,30 €. Donc en fait, c'est une adaptation de L'Appel de Cthulhu de Lovecraft par Gutanabe. Et je vous avais dit que j'avais envie de voir. Donc je suis très intriguée. Voilà, donc c'est une édition avec une couverture qui semble être en cuir. Et je trouve qu'elles sont belles, ces éditions. On est chez Tiyun. Et voilà, donc ça, je suis très très contente. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le lire. On a aussi pris, ça c'est pour mon fils Simon, qui était avec moi. Je lui ai dit, bah écoute, je t'offre celui-ci, même s'il n'était pas en promo. Parce qu'elle est vachement bien, la saga Solo Leveling. Par contre, il faut que je nettoie. Donc on est chez K-Books et l'histoire, elle est vachement bien. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai lu que le premier. Mais j'attends d'avancer pour pouvoir lire la suite. Voilà, donc c'est l'heure de ma petite tisane avec un petit cookie et mon bouquin en cours. D'ailleurs, je lis La Faucheuse de Glas de Neil Schusterman et j'en suis pas encore à la moitié. J'en suis là. Je suis pas à la deuxième partie, je termine la deuxième partie et puis je sors pas là, un moment. Thank you.
du lundi matin avant de bosser. Je voulais venir vous voir hier et puis en fait, y a eu pas mal de trucs hier parce qu'il y avait une journée escrime pour mon fils, donc on a fait pas mal d'allers-retours et après j'avais la flemme, voilà, tout simplement. Donc j'ai des choses à vous dire. J'ai lu pas mal de choses, donc j'ai lu pas mal de graphiques parce que j'avais un gros bouquin dont je vous parle juste après. Donc j'ai lu Coq de baston 2 et 3 de Shu Sakuratani. En fait c'est la saga Rooster Fighter, c'est ça le nom. Et c'est édité chez Mangetsu. Je vous avais parlé déjà du premier qui est un univers complètement barré, un peu horrifique, où il y a des monstres qui débarquent d'un peu n'importe où, de taille surdimensionnée, et dans l'unique but de faire du mal aux hommes. Et on suit un coq qui a des pouvoirs, notamment le pouvoir du cocorico, qui peut tuer tous ces monstres, alors que les humains ne le peuvent pas. Donc en fait, il a un côté un peu sauveur, sauf que lui, il n'est pas animé du tout par l'envie de sauver les hommes. Il a une envie personnelle qu'on va commencer à comprendre dans ce tome 2. Il est accompagné d'une petite... un petit poussin là qui est complètement éperdu de lui. Il l'a sauvé et puis elle ne le lâche plus. Et il va aussi rencontrer un autre personnage, je ne vous dis pas qui, mais du coup c'est plutôt une équipe de trois. Au départ il est tout seul dans le premier, mais là c'est plutôt une équipe de trois qui est plutôt chouette. Voilà. Alors c'est toujours aussi rigolo. Ça m'a bien plu, franchement c'est marrant. Puis moi j'aime bien les... Voilà, l'équipe elle est là. J'aime bien le côté horrifique. J'aimerais bien essayer de vous montrer un peu à quoi ils ressemblent, les très très méchants. Si je... On n'en voit pas tout le temps. Alors, les très très méchants ne sont pas toujours... En fait, on comprend qu'il y a des personnages qui se transforment par leur rancœur, leur sentiment, en fait... mauvais, ils vont en fait se transformer en monstre. Donc là on en a un qui ressemble trait pour trait à Coq de baston, et j'essaie de vous montrer peut-être un autre. Ah ben là il y en a plusieurs. Ah, il y en a qui sont assez pacifistes, par exemple lui il dessine, donc il est pas très méchant, mais lui il est très très méchant avec sa guitare électrique. Et je trouve qu'en fait, il y a un côté un peu dingo, un peu humour noir décalé qui me plaît bien. J'ai lu aussi la trilogie, bon, je me suis pas retenue, hein, pourtant on est sur je crois que c'est la dessinatrice Algeciras qui est de République démocratique du Congo, ou je sais plus, enfin, bref, elle vient d'Afrique centrale. Elle est originaire d'Afrique centrale, parce que sinon je crois qu'elle est française. Et voilà, donc j'ai lu cette trilogie qui commence par le tome 1, Eleanor Jones. Le tome 2, donc en fait on a le bal d'hiver ici avec le tome 1. Le bal de printemps avec le tome 2. Et le bal d'été avec le tome 3. Alors, donc c'est un duo d'autrices, Algeciras et Aurore. Et je pense qu'Algeciras, c'est elle qui fait le texte. Et je vous montre le style de dessin. Si vous connaissez genre Princesse Sarah, à mon avis, on est sur le même genre de dessin. Vous voyez, un peu, selon moi, un peu gnangnan. Mais ne le prenez pas mal si vous aimez. Parce que moi, du coup, je trouve que c'est un parti pris. Et après, si l'histoire est bonne... ça passe. Je suis pas une super grande fan des dessins, soyons honnêtes. C'est très stylisé. Mais, alors, l'histoire, tu vous racontes. C'est l'histoire de cette jeune femme, Eleanor Jones, qui est couturière et qui va être embauchée dans la maison Tiffany, une maison familiale où la jeune fille est un prodige de la couture. Je dirais qu'elle a quoi
13, 14 ans, quelque chose comme ça. Elle habite avec son frère qui s'occupe plutôt de tout ce qui est comptabilité, gestion de l'entreprise familiale. Celle qui a initié, c'est la maman, mais au début, elle n'est pas là. Donc en fait, c'est plutôt la fille et le fils qui gèrent la société ensemble, tous les deux. Elle est plutôt la créative et lui plutôt derrière. Sauf que c'est ce qui lui paraît, en tout cas, du moins. Elinor va arriver dans une équipe où il y a déjà plusieurs femmes qui travaillent, chacune avec une personnalité, avec des personnalités très très différentes, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieilles. Voilà. C'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et un certain prestige à entretenir. Donc Elinor est quelqu'un qui travaille énormément. Elle a juste un problème quand même, on s'en rend compte assez rapidement, c'est qu'elle est anorexique. Donc elle mange pas. C'est très difficile pour elle de manger. Et quand on a un effort physique à faire intense, surtout qu'elle est très douée et qu'on va vite se rendre compte qu'on a besoin d'elle, eh bien ça devient de plus en plus difficile. Et dans ce premier tome, c'est pas énorme. On se rend compte qu'elle va un peu jusqu'au bout de ses forces. Mais dans les tomes suivants, l'anorexie d'Elinor devient problématique. Il y a aussi une des autres couturières qui va disparaître. Et du coup, il va y avoir encore plus de travail et une collection à faire. Il y a aussi toute une histoire familiale autour de la maison de couture. Tout ça par rapport à la créativité, qui est ce qui crée les traditions dans la famille, les choses qui ne se passent pas forcément bien, qu'il faudrait changer. C'est vraiment une réflexion sur justement le milieu parfois très fermé et extrêmement difficile de la couture, notamment à la main, la broderie, tout ça, c'est assez, assez critique, assez jusqu'au boutiste et qui... Alors, ce n'est pas de l'exploitation, parce que ces jeunes femmes, elles sont très contentes de faire partie d'une maison de couture si prestigieuse. Mais du coup, on sent bien qu'elles vont jusqu'au bout de leurs forces pour travailler. Et quand il y a un problème au départ, ça peut vraiment être très compliqué. Pardon, je ferme le Velux parce qu'il y a du bruit. Et sinon, du coup... ce que j'en ai ressenti, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance du message, en fait, à mon avis, qu'elles ont voulu passer, les autrices, parce qu'elles ont voulu raconter une histoire sans forcément faire de morale. Et c'est une histoire qui est quand même extrêmement triste, je trouve, sous couvert de très belles images, très douces, avec des belles robes et tout. Et derrière, le message, il est terrible. Et pourtant, il n'y a pas de jugement. Alors moi, c'est là peut-être où je nuance un peu mon propos. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'on soit quand même un peu plus critique. Mais dans le dernier tome, il y a quand même pas mal de critiques qui sont faites. Mais on y va doucement. On sent qu'on s'adresse à des jeunes et qu'on ne veut pas non plus taper trop fort sur les doigts. Mais j'aurais bien voulu qu'on y aille un peu plus fort. Voilà. Donc, Elinor Jones est un personnage... Ça s'appelle Elinor Jones, mais ça tourne pas vraiment autour d'elle. C'est pas le personnage central de cette histoire. Le personnage central de cette histoire, c'est vraiment la maison de couture familiale et tout, ben donc du coup toutes les couturières. Et c'était franchement pas mal. Je m'attendais pas du tout en fait à ça. Je m'attendais à quelque chose de mielleux et de neuneux. Et c'est pas ça. Ça va plus loin. Donc je vous les conseille quand même parce que c'est pas mal, c'est assez original. Voilà. Côté BD, hier soir, enfin c'est comics là, j'ai lu Wonder Woman. Donc ça c'est le tome 1, l'année 1. Donc c'est Wonder Woman Rebirth. On est chez DC et c'est écrit par Greg Rucka et Nicolas Scott. Donc c'est un tome 1, je pense que le tome 2 n'est pas encore sorti. Je pense. Alors attendez, je regarde juste. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2017, il a dû sortir le tome 2. Bref, je ne sais pas. En tout cas, il n'y était pas forcément à la bibliothèque, faut qu'on regarde. Écoutez, j'avais pas vu... Alors, j'ai vu le début du film, mais je suis partie avant qu'elle quitte l'île. voilà.
Et ben là, ça m'a paru pas mal. Bon, il y a des images un peu où je trouve que elle est quand même pas très très fut-fut, Wonder Woman. Mais bon, c'est son histoire. L'histoire parmi toutes ses sœurs sur cette île dont personne ne connaît l'existence et l'arrivée de cet avion rempli d'hommes baraqués extrêmement forts qui aiment bien être en tenue de combat avec un pistolet qui... c'est beaucoup de clichés quand même. Et qui arrive sur cette île et puis les Amazones. Le peuple des Amazones va décider que c'est un signe à l'arrivée de ces hommes et va donc élire celle qui les raccompagnera et qui du coup ne pourra plus revenir sur l'île. Ça s'appelle sur l'île du paradis et qui devra donc consacrer sa vie à protéger les hommes. Et donc c'est Wonder Woman, c'est la fille de la reine de l'île. La reine Hippolyte qui est sélectionnée et qui part avec eux. Alors, il y a tout un côté plutôt sympathique sur le fait qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'elle arrive dans un monde, elle ne revient pas, quoi, parce qu'il y a du monde partout, ils sont entre les magasins, tout ça. Donc, il y a un côté plutôt sympathique. Après, ça ne vole pas non plus très très haut. Hein. Mais bon. J'ai trouvé que c'était quand même pas trop mal. Le combat avec Arès, là, le dieu de la guerre, il y a un combat avec le dieu de la guerre. Pourquoi pas? Je sais pas du tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans le tome 2. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a une femme qui va réussir en fait, à parler avec elle. Et le personnage de cette femme, qui est donc multilinguiste et qui va comprendre que son langage est hérité de plusieurs choses différentes et va parvenir à discuter avec elle, son personnage est plutôt intéressant. Le personnage de l'homme là, qui est sauvé est complètement transparent, complètement pour moi inintéressant. Donc c'est vraiment un livre autour des femmes, quoi. Ouais, bon, c'est pas le meilleur comics que j'ai lu, mais les dessins sont plutôt assez beaux. Faut aimer le genre, mais c'est plutôt pas mal, très coloré. Voilà, je lirai peut-être la suite, mais c'est clair que c'est pas un comics que j'achèterai. Et sinon, j'ai fini la saga de la faucheuse de Neil Schusterman avec Le Glas, le tome 3 de cette longue saga, et celui-ci est le plus long de la saga. Il fait à peu près 700 pages. Mais ça valait le coup parce que je trouve que c'est le meilleur des trois. Franchement, trop trop bien cette conclusion. C'est pas évident de terminer des trilogies, je trouve, et l'exercice s'est très très bien fait. Le premier, j'avais beaucoup aimé l'introduction, mais j'avais peur que ça parte trop dans les histoires d'amour, la romance, tout ça. Le second a quand même... tourner vraiment autour du Thunderhead, qui est donc l'intelligence artificielle qui a été mise en place à la fin de notre époque, en fait, d'humains. Le Thunderhead a été mis en place avec le système des faucheurs, et donc un système de mort par fauchage a été mis en place sous... donc le Thunderhead, il n'a rien à dire sur le système des faucheurs. En revanche, il est là comme une... Ben voilà, il est omnipotent, c'est lui qui sait tout, il sait tout sur les gens. Donc par exemple, les faucheurs vont dans le Thunderhead pour connaître les gens, savoir ce qu'ils ont fait, faire des recherches, savoir qui ils sont, tout ça. Et donc il y a quand même une relation très forte entre les faucheurs et le Thunderhead. Et puis à la fin du second, je veux pas vous spoiler, hein, à la fin du second, il y a quelque chose qui va se briser dans ce monde, puisque je vous avais dit déjà quand même dans le premier, c'est important, on sent que dans ce système, il y a forcément des failles et il y a des faucheurs qui sont pas tout à fait nets, notamment un qui s'appelle Maître Godard, qui a vraiment des envies de pouvoir, des envies de glanage à des dimensions incroyables et qui est capable de glaner tout un stade, qui est venu voir un match, il glane tout le monde, quoi, voilà, sans réflexion, sans rien derrière, de façon terrible, voilà. Et donc, il y a des choses qui ne vont pas dans ce système, forcément, et on a du mal à endiguer ces problèmes-là. Dans le second tome, il y a un peu genre
tout se casse la gueule dans ce système. Enfin, tout se casse la gueule, non. Certaines choses se cassent la gueule. Et puis, dans le troisième tome, il y a une réflexion très forte parce que cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle a lieu d'être ? Comment est-ce qu'elle doit s'exprimer si elle continue à s'exprimer ? Comment les faucheurs doivent travailler ? Est-ce qu'ils doivent continuer d'exister ? Toutes ces questions sont là. Et c'est très très intéressant parce que d'un point de vue réflexion sur l'avenir dans ce système, j'ai trouvé que c'était que ça allait jusqu'au bout de la réflexion et ça, moi, ça m'a bien plu. Les personnages principaux qu'on a dans le tome 1 et dans le tome 2 aussi sont moins représentés. On a d'autres personnages. Je souris parce que finalement, oui, ils sont là et quand même, on les aime bien. Hein, donc, on les aime bien, mais c'est pas du tout le sujet principal. On a beaucoup, beaucoup d'autres personnages qui sont présents, d'autres qu'on connaît depuis le début, mais plusieurs qui sont là nouveaux et j'ai beaucoup aimé. On a un personnage qui n'est pas binaire, un faucheur qui est dépressif. Enfin, on aborde des sujets un peu différents. Ouais, il parle beaucoup de sectarisme, ouais, de choses qui dérapent, quoi, de toute mesure. Et je trouvais que c'était très très intéressant. Jusqu'où on va ? Est-ce qu'il y a une conscience ? Est-ce qu'on peut pardonner certains actes ? Il y a vraiment toutes ces questions. Toutes ces questions, le poids de l'histoire, quoi. Et j'ai trouvé que c'était franchement, franchement bien. Surtout qu'il y a... en fait, c'est un livre qui est construit... C'est un roman, en fait, choral, ponctué de réflexions de personnes qui sont qui viennent du passé ou du futur. Parfois, des échanges... on ne sait pas trop qui parle, mais on dit que ce sont des échanges qui ont été effacés tout de suite. Donc on a des petites choses, et en fait, nous, lecteurs, il faut qu'on essaie de comprendre qui parle, ce qui se passe, qu'est-ce que ça présage pour la suite, et je trouve qu'on est vraiment embarqué dans l'histoire, et moi, j'ai adoré. Je l'ai lu sur une semaine, parce que c'était long quand même à lire, et qu'en ce moment, mon rythme de lecture est un peu plus lent, mais ce n'est pas très, très grave. Mais c'était très bien, j'ai bien aimé lire ce roman comme ça sur toute la semaine et le terminer, je l'ai terminé samedi. Et ouais, je vous la conseille, moi je suis très très contente de l'avoir lu. Par contre, petit détail, la tranche est cassée parce que j'ai pas pu, le dos, ouais, la tranche c'est ça, je sais jamais. Le dos de mon livre est un peu cassé, c'était impossible de faire autrement. Je peux pas quoi, c'est un moment quand on fait ça, bah, ça se casse. Donc je peux pas faire, pas lire comme ça moi. Donc je trouve ça un peu dommage. S'il y avait eu des éditions reliées, ça aurait été mieux. Mais ouais, c'est peut-être un livre que je relirai. En tout cas, je vais garder la saga dans ma bibliothèque, même si c'est du young adult. Et franchement, même si c'est du young adult, allez-y. Parce qu'on ne verse pas justement dans le côté extrêmement romantique, romance, tout ça. On verse plutôt vraiment dans la science-fiction. Et c'est trop cool. Vraiment, c'est bien. Et je vais relire du Neil Schusterman. C'est sûr. Bon, sur ce, il faut que j'aille travailler puisque je pense qu'il est presque 9h moins le quart. Je vous laisse là et on se retrouve. J'ai encore un livre. Je suis en train de lire en fait Les choses humaines de Karine Thuil. Donc je viendrai vous en parler pour clore ce vlog qui se terminera, je pense, avec la fin du mois de mars. Et puis voilà, je vous laisse là pour le moment. Il doit être 18h, quelque chose comme ça. J'ai les cheveux mouillés, je viens de rincer mon aîné. Et je suis plutôt contente parce que je l'ai laissé poser moins longtemps que la dernière fois. J'aime bien. Voilà. Donc je vais libérer ce chat. Il faut que je vous parle un peu de mes dernières lectures. Où ça ? Donc j'ai lu trois choses. J'ai
acheté les trois choses. Déjà, celle-ci était en cours depuis un petit moment. Donc, c'est de la poésie de Paul Éluard. J'en ai beaucoup dans ma bibliothèque, en fait. Et j'en ai pas lu tant que ça. J'ai lu Capital de la douleur. Et voilà, je crois que c'était principalement ce que j'avais lu. J'ai dû en lire d'autres. Mais voilà, j'ai envie d'aller piocher dans mes livres de poésie maison. J'ai mon chat qui se balade, hein. J'espère qu'il ne va pas tout faire bouger. Donc j'ai choisi celui-ci, Poésie ininterrompue. C'est un recueil de plusieurs poèmes assez longs qui s'enchaînent. Il y en a à peu près une dizaine, une douzaine, qui ont été écrits à plusieurs moments de sa vie, mais surtout, on va dire, plutôt fin de sa vie, quand il... je crois après qu'il ait appris la mort de Nouch, sa compagne. Ouais. Voilà, donc il passe par un profond désespoir, donc c'est vers 1947. Il faut dire que la vie de Paul Éluard, c'est quand même quelque chose, hein. Il a traversé les deux guerres. Et bon, il est mort, il avait une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup écrit pour notre plus grand plaisir parce que sa poésie est juste exceptionnelle. Alors, j'aurais pu mettre des post-it partout. Il y a des passages tellement beaux. Alors, j'avoue que le premier recueil qui s'appelle Poésie ininterrompue n'est pas forcément évident à lire. Il va jusque là. Et il n'y a quasiment pas d'interruption. Donc moi je sais que j'aime bien lire la poésie de façon un petit peu morcelée. Et quand vous avez des pages comme ça remplies, en fait vous savez pas trop parce qu'il part sur une idée, puis il enchaîne avec une autre, puis il enchaîne avec une autre. Bon, c'est assez, assez impressionnant la façon dont il fait ça. Mais c'est très très beau. Moi, j'ai noté pas mal de choses que je vais noter dans mon carnet. Il parle beaucoup du changement des saisons. Il parle de la mort, de la vieillesse, de l'amour, beaucoup. C'est trop beau. Je vais juste vous citer un passage très vite parce que je sais que vous n'aimez pas forcément ça. Je ne suis pas d'accord. Ils ont faim, en fait, il faut que j'aille leur donner à manger. Qu'êtes-vous venu prendre dans la chambre familière un livre qu'on n'ouvre jamais? Qu'êtes-vous venu dire à la femme indiscrète ce qu'on ne peut pas répéter? Qu'êtes-vous venu voir dans ce lieu bien en vue ce que voient les aveugles? J'en ai corné plein. Qu'est-ce que j'ai corné? Ah, c'est très très beau ça. Et je trouvais que c'était particulièrement juste. Ça va vous parler, je pense. Je ne vois clair et je ne suis intelligible que si l'amour m'apporte le pollen d'autrui. Je m'enivre au soleil de la présence humaine. Je m'anime, marée de tous ces éléments. Je suis créée, je crée. C'est le seul équilibre, c'est la seule justice. C'est trop beau. Je trouve qu'il va très très loin en fait dans... voilà, il y a de la philosophie en fait dans ces textes. Il analyse beaucoup la vie, quoi, les... Voilà. Et je trouve ça beau et je l'imagine à chaque fois que je lis, je l'imagine en train d'écrire. Et je me dis, c'est fou tous ces mots qu'il a pu... ces phrases qu'il a pu mettre ensemble, c'est très très beau. C'est assez sombre quand même, ce recueil-là est assez sombre. Mais... pas que, il y a quand même beaucoup d'espoir chez Paul Éluard, je trouve. Il y a un constat de la vieillesse, de la mort imminente, mais c'est très beau. Il écrit quasiment son épitaphe ou des épitaphes à la fin, et je trouvais ça très beau. J'ai moins aimé le dernier recueil, Le Château des Pauvres, qui parle d'un château qui était près de chez lui. J'ai beaucoup aimé, voilà, la partie épitaphe, je trouvais ça superbe. Je trouve ça très très beau. Bref, je vais pas vous en dire plus. Allez lire Paul Éluard, c'est magnifique. Alors sinon, après, je me suis dit que j'allais, parce que j'arrivais pas à l'ouvrir, et je me suis dit, je vais lire le livre en VO de Taylor Jenkins Reid. En fait, c'est une petite nouvelle éditée chez Amazon Prime.
et qui s'appelle Evidence of the Affair, qui est un court texte de 100 pages à peu près, écrit par Taylor Jenkins Reid, je ne sais pas trop quand. Donc on est, je crois, à Los Angeles, mais en fait on s'en fiche un petit peu. C'est une, ça commence, l'ouverture commence par la lettre d'une femme qui va, elle s'appelle Carrie, je crois, qui va écrire au mari d'un couple, qui est dans un couple, lui disant et lui annonçant qu'elle pense que son mari et sa femme ont une liaison. Et donc en fait, elle va d'abord lui faire sa première lettre, et il va y avoir un échange de lettres. Donc c'est un nouvel épistolaire entre les deux, la femme et l'homme qui sont trompés. Et donc ils vont s'envoyer les lettres de leur mari et femme respectifs qu'ils ont trouvées chez eux pour voilà, parce que c'est de la curiosité qui n'est pas forcément très très bonne, mais ils vont se demander d'abord est-ce que tu veux que je les ai retrouvés, est-ce que tu veux que je te les envoie, et voilà. Et petit à petit, il va y avoir une relation qui va se nouer entre eux. Oh, le superbe, la vue sur mes chaussons. Je sais pas pourquoi je les ai enlevés, j'ai dû ranger des choses, bref. Voilà, vous êtes chez moi, là, c'est la prune de décoffrage. Ah oui, puis alors, ça fait plusieurs jours, à mon avis, que vous devez vous dire, mais elle a toujours les mêmes draps. Alors, je vais changer les draps demain, vivement. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai commandé une nouvelle couette et j'attends de la recevoir pour pouvoir changer les draps. Donc, pour le moment, les draps n'ont pas été changés depuis un petit moment. Mais j'ai eu du mal à passer le cap d'acheter la couette. Tout va bien. Et donc, c'est un court roman qui est donc un échange épistolaire. Je ne vais pas forcément vous en dire plus. Alors, je pense que lire Taylor Jenkins Reid en anglais fonctionne très très bien avec moi, parce que je l'ai commencé et en 3 jours, je l'avais terminé. Bon, c'est 100 pages, on est d'accord. Mais c'est pas forcément le plus évident pour moi de lire en anglais. Et elle a le pouvoir sur moi de me tenir en haleine. Elle est hyper efficace. C'est une autrice que que j'aime beaucoup, parce que elle a l'intelligence de la forme, l'intelligence de la forme, du scénario, de l'histoire. Bon, alors, l'histoire en elle-même, elle n'est pas fantastique, bien que petit à petit, quand on creuse dans les personnages, à chaque fois c'est très intéressant. Et elle nous tient en haleine jusqu'au bout, et même jusqu'à la dernière page. Moi, je trouve ça hyper efficace pour lire en anglais et justement être tenu jusqu'au bout pour avoir envie de lire la suite. Oui, ça marche avec moi, et c'est une des seules pour le moment qui marche vraiment. Donc je me demande si pour le prochain livre en anglais, je vais pas encore repartir là-dessus, mais je suis pas sûre. Je vais peut-être essayer de faire autre chose. Si ça fonctionne pas, je retourne vers Taylor Jenkins Reid, parce que voilà, j'aime beaucoup. Et sinon, j'ai fini aujourd'hui Les choses humaines de Karen Thuil chez Gallimard NRF, et c'est le livre que j'ai pioché au hasard et que je n'arrivais jamais à sortir parce que je n'osais pas y aller. On me faisait pas forcément peur, mais vous savez, c'est ce genre de livres qui ont une super hype, dont tout le monde parle, dont on adapte en film, tout ça, et on se dit, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va me plaire. Ok, alors je vais vous donner mon avis brut de décoffrage. C'est un de mes coups de cœur de ce mois-ci, ça c'est sûr. Ma première impression a été très désagréable. Les 100 premières pages, il se passe, on rentre dans le vif du sujet vers la centaine de pages, on va dire. La première partie du récit nous présente les personnages, donc cette famille un petit peu bizarre, dont la femme quitte le mari, en fait. Donc lui, c'est un journaliste qui a 70 ans et quelques. Elle a 35, 38 ans, quelque chose comme ça. Elle est essayiste, elle est très intelligente. Ils ont eu un enfant ensemble, Alexandre, qui a 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça, qui est complètement paumé parce que ses parents, il n'a jamais pu s'appuyer vraiment sur ses parents, parce que eux, ils étaient vraiment très lancés dans leur carrière, ils n'ont jamais vraiment été à l'écoute de leur fils.
Leur fils est particulièrement intelligent, on va l'apprendre petit à petit, et particulièrement instable. Il a des... Voilà, quand il était petit, il n'était pas forcément stable. Et d'ailleurs, il a fait une tentative de suicide quand il était en prépa. Puis ensuite, il s'en est remis. C'était vraiment pas une... On va dire, alors ils disent dedans que c'est pas une vraie tentative de suicide, c'est plus un appel à l'aide, au secours, prenez soin de moi. Ses parents se sont beaucoup inquiétés, tout ça. Et puis, on arrive à un moment, donc quelques années après, le père va avoir une remise de médaille de la Légion d'honneur, je crois. Sa femme l'a quitté il y a peu. On sait qu'il a une autre histoire d'amour avec une autre femme et il en a eu plein d'autres. Voilà, c'est un peu un coureur de jupons, mais apparemment dans le couple, c'était accepté. Le truc, c'est que Claire, la femme, elle a trouvé un nouvel amour. Chez un homme qui est un enseignant, mais au chômage, qui est venu vivre en France et qui est juif, qui a deux filles et qui un peu fuit en fait le trop de religion qui était dans sa famille pour venir en France et vivre une vie plus normale, bien que quand même en perpétuant les traditions juives. Voilà. Et donc Claire va en fait quitter son homme pour aller vivre avec lui. Voilà. Et le fils, Alexandre, va venir pour la remise de médaille de son père. Donc il va aller chez son père. Il va aussi aller voir un petit peu commencer dans la nouvelle famille où sa mère habite. Il va rencontrer les jeunes filles, mais pas rien de spécial. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Ils sont vraiment à des années-lumière les uns des autres parce qu'elles, elles sont hyper introverties, hyper timides, très religieuses. En plus, l'aînée des deux filles, elle a subi un attentat dans une de ses classes où plusieurs enfants sont morts et donc elle est assez traumatisée. Mais bon, voilà, mais il n'y a pas trop d'atomes crochus entre eux. Et puis, le soir là, de la remise de médaille du père, la remise de médaille se passe, bien que le père il est toujours en réflexion vis-à-vis du fait de vieillir, vis-à-vis de choses un peu sombres auxquelles il a participé. C'est un journaliste très connu, mais qui n'est pas tout à fait clean, quoi. Vous voyez, notamment d'un point de vue amour, politique, tout ça, c'est quand même un peu louche, tous les trucs dans lesquels il traîne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un peu perdue. Et le soir de cette remise de prix, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, le fils va être un peu dans l'obligation de sortir l'aîné des deux filles de du nouvel homme de sa femme, de sa mère, y arriver. Donc une des deux filles, elle dit, bah, tu l'emmènes, tu vas sortir faire la fête, tu l'emmènes avec toi pour qu'elle s'amuse un petit peu parce que elle connaît personne. Et il va l'emmener dans une soirée. Il s'ennuie, enfin il s'ennuie. Il la trouve pas très très intéressante, elle est timide, elle est pas trop moche, elle est mignonne, tout ça. Mais ils vont faire un pari avec ses copains. Et l'idée, c'est de coucher avec elle et de ramener sa petite culotte. Et voilà, donc elle n'est pas habituée à boire, donc elle va boire un truc, elle va pas être bien et tout. Donc il va l'emmener dehors et en fait, de fil en aiguille, ils vont avoir un rapport. Et donc il va lui dire, quand il va partir, il lui dit, bah, je garde ta culotte parce que en fait c'était un bizutage et voilà, donc je suis désolée. Et donc elle s'en va en pleurant et lui il repart de son côté un peu rien à faire. Et il retourne à la soirée. Et puis le lendemain, en fait, il y a une accusation de vol de viol qui est porté contre Alexandre justement par la fille du nouveau compagnon de sa mère. Voilà. Et ce livre, c'est l'histoire du procès qui a lieu 2 ans après en fait le constat de, enfin la réclamation, enfin le dépôt de plainte. Et voilà. Donc moi, je suis rentrée dans l'histoire. Je suis rentrée dans l'histoire en me disant, oh là là, ils sont particulièrement pas sympathiques. C'est quoi cette famille?
Je les ai trouvés, j'étais pas à l'aise au début, je trouvais que. Alors c'était très fluide, mais je trouvais que les personnages étaient particulièrement antipathiques. Et je me souviens, au bout de la centaine de pages, je disais à Louis, je disais, je suis pas sûre que ça me plaise tout ça. Et puis, au moment en fait où la plainte est déposée, là, il y a un twist dans l'histoire. Et il va se passer plein de choses, parce qu'au départ, on est vraiment dans la tête d'Alexandre. Enfin, on passe de. Voilà, il y a plus un roman choral, donc on a. Enfin, c'est pas un roman choral, parce qu'on navigue dans les chapitres d'un personnage à un autre, et on les accompagne un petit peu avant de passer à un autre personnage. Il se passe des trucs, on se dit, mais non, mais en fait, il l'a pas violé. Enfin, nous, comme on nous l'a dit, on a cette interprétation d'Alexandre. Puis après. On a le point de vue de. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus. Comment elle s'appelle l'autre. La jeune fille, Marie. J'ai un gros doute. Mila. Mila, en fait, on a le témoignage de Mila. Et là, on se dit, ok, en fait, il s'est passé ça. Parce qu'en fait, il y a eu un peu d'alcool, il y a eu de la drogue et tout au moment de la relation. Et en fait, on en apprend petit à petit un peu plus, mais à chaque fois du point de vue d'un des personnages. Et voilà. Et après, on a aussi le point de vue des parents qui subissent ou essaient de faire en sorte d'avancer avec le bouleversement dans la vie que l'enfermement de ce fils en fait a causé, puisqu'il est en prison le temps qui est le procès. Voilà. Et en fait, on assiste à ce procès de l'extérieur en essayant. Enfin voilà, on ne sait jamais en fait ce qui va se passer. J'ai trouvé que les. Comment ça s'appelle? À la fin, vous savez, quand les avocats font face aux jurés. Comment ça s'appelle? Bref, je mettrai le mot ici. J'ai trouvé que c'était. Hallucinant, hallucinant les avocats qui en fait situent le propos en essayant de convaincre les jurés, voilà, l'accusation et la défense. Impressionnant. La plaidoirie, c'est ça, de l'avocat de la défense d'Alexandre, elle est mais juste hallucinante, quoi. Cet avocat, on a vraiment l'impression que c'est extrêmement réaliste, extrêmement bien écrit. Ah, je trouve ça très très bien écrit. Alors j'ai rien coché, il n'y a rien qui m'a transcendé. Si, j'ai coché un truc. Je sais même plus. Mais en fait, c'est une écriture qui vous emmène. C'est super bien écrit. Vraiment. Enfin, moi, je trouvais que c'était hyper efficace, justement. Nous, en tant que lecteurs, ça nous interroge jusqu'au bout. On est tenu. Moi, ce matin, j'avais 100 pages à lire. Je n'ai pas pu faire autre chose tant que j'avais pas fini mes 100 pages, quoi. J'étais accroché à ce livre, voilà, et la fin, j'ai trouvé ça grandiose parce que je trouvais que c'est un livre extrêmement réaliste, très bien fait, et en plus dans une période avec l'émergence de MeToo, avec les femmes qui osent enfin prendre la parole pour dire qu'elles ont été souvent victimes d'abus sexuels et elles n'ont pas pu parler. Et à un moment, bah, les choses sont dites. Donc il y a tout le climat médiatique autour de ce procès. C'est vraiment très très bien fait. Je suis intriguée pour voir le film qui a été adapté. J'ai peur en fait parce que. Bah quand je trouve ça. Oui, en même temps, je pense que c'est quand même assez cinématographique. Je peux comprendre qu'on ait voulu l'adapter parce que les images sont très très claires dans la tête. Voilà. Donc, je suis intriguée. J'ai envie de voir, mais j'ai peur quand même. L'avez-vous vu? Dites-moi en commentaire. Voilà. Bon, ça fait déjà 20 minutes. À chaque fois, cette vidéo va être très très longue. Je pense quand même vous tenir jusqu'à la fin du mois de mars. On est le 29, il reste 2 jours. Je vais essayer de lire Histoire de ma mère et un manga. Et je viendrai clore vendredi le carnet de lecture ici en vous disant si j'ai réussi à terminer ou non. Si je réussis pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On lit pour se faire plaisir. Mais celui-ci restera dans ma mémoire longtemps, c'est clair. Gros coup de cœur pour un livre qui au départ m'a mis vraiment extrêmement mal à l'aise.
qui m'a mis mal à l'aise en fait du début jusqu'à la fin. voilà. C'est pas des gens sympathiques, mais ce sont les choses humaines. Voilà. Ok. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Samedi matin, je suis pas venue vous prendre hier parce qu'en fait quand c'était la fin de journée je n'avais pas fini la lecture de mes deux livres et je les ai finis hier soir juste avant de dormir. Donc je vais vous parler de mes deux dernières lectures de mars et clore ce carnet de lecture. Déjà, je suis retournée avec grand plaisir dans cette série manga Une sacrée mamie de Shimada Yo Shishi et Ishikawa Saburo chez Delcourt Tonkam. C'est une version double, donc ça prend un peu de temps à lire parce qu'en fait il y a deux mangas dedans, hein. Voilà. On est passé à cette version là parce que en fait je les achète pas ceux-là, je les prends à la bibliothèque et eux ils ont ceux-là maintenant, donc voilà. Donc du coup je pense que entre le tome, je sais pas où j'en étais, tome 4, le chapitrage est différent, donc c'est pas vraiment deux tomes. Donc en fait là on en est à l'épisode 38 et je crois que ça s'était terminé à l'épisode 35 sur le précédent. Voilà, je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, j'ai loupé trois chapitres. De toute façon c'est une sorte d'autobiographie de ce petit garçon Akihiro qui vit chez sa grand-mère parce que sa mère vit à Tokyo, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle n'a pas le temps de s'occuper de ce petit garçon. Elle a déjà son frère qui est plus grand et qui va au collège. Akihiro est en primaire. Et donc, du coup, il reste avec sa grand-mère parce que sa mère n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, c'est assez triste parce que Akihiro, lui, il a été déchiré de partir de Tokyo où est sa mère. Et donc, elle lui manque beaucoup, beaucoup. Surtout qu'elle peut venir qu'une fois par an, voire deux fois aux vacances. Et il ne reste pas longtemps. Parce que voilà, ça coûte cher et elle a beaucoup de travail et elle travaille énormément. On a rencontré sa maman sur des chapitres précédents. Là, on ne la voit pas. On continue l'histoire. J'adore la grand-mère. Ça, une sacrée mamie, effectivement. Elle est assez incroyable. Elle est droite dans ses bottes. Elle a beaucoup d'humour. Elle le guide souvent dans ses choix sans trop lui en dire. Elle s'amuse de le voir grandir, en fait. Et c'est touchant. Là, il est avec son copain. Et voilà, c'est un gamin qui vit dans la nature, qui construit des cabanes, qui se bat à l'école. Il n'est pas très très bon à l'école, c'est plutôt genre cancre. Il n'aime pas lire, il n'aime pas écrire. Voilà, ce qu'il aime, c'est être avec ses copains et jouer, quoi. Et il est rigolo. Il est rigolo, voilà, c'est des épreuves de la vie. C'est les épreuves de la vie qui traversent. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Et effectivement, je pense que c'est pas forcément important de louper trois chapitres dans ce genre d'histoire parce que c'est vraiment des modes de vie, quoi. Là, on est dans un petit village. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Des fois, ils sont vraiment genre une des familles les plus pauvres. Mais la grand-mère est droite dans ses bottes. Elle fait le ménage dans l'école. Et Akihiro passe pas plus par plusieurs phases, mais il est souvent fier de sa grand-mère et de la façon dont ils vivent malgré leur pauvreté, et c'est touchant à voir. Donc je vous le conseille. Et puis j'ai lu Histoire de ma mère de Yasushi Inoue, ici édité chez Stock, qui m'a été gentiment offert par une de mes abonnées. Et bon, alors j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait faire. Déjà, j'étais très étonnée parce que je ne m'attendais pas à ce récit-là. Je m'attendais à l'histoire d'une femme, effectivement, ce qui était écrit derrière, en fin de vie, qui allait nous raconter, en fait, son histoire de vie. Et en fait, pas du tout.
C'est pas ça, du tout, du tout. Je me suis complètement plantée, comme quoi je lis pas bien les résumés. J'espère que vous ne prêtez pas trop attention aux résumés des fois foireux que je peux vous faire. Désolée, il y a de la vie en bas, hein, on est samedi. Donc en fait, l'histoire de ma mère, c'est Yasushi Inoue. Donc c'est une histoire vraie. Il raconte vraiment les dernières années, la dernière décennie de vie de sa mère, de, on va dire... 78 ans à la fin de sa vie, quoi. Son père est mort et elle se retrouve veuve et elle commence à devenir un peu sénile et à perdre en fait ses souvenirs. Elle perd la mémoire et en fait elle a tendance à retourner dans son enfance et elle, petit à petit, la sénilité la terrasse et elle va redevenir en fait une sorte de petite fille dont tous ses enfants vont s'occuper, surtout sa fille Sachiko, c'est ça je crois, surtout sa fille qui va la garder en fait au village avec elle et voilà, et petit à petit sa mère va même oublier sa fille pensant que c'est une bonne qui s'occupe d'elle. C'est un livre assez terrible, extrêmement juste sur une réalité en fait de la vieillesse. Alors moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai retrouvé des traits de caractère de ma grand-mère maternelle par exemple à la fin de sa vie. Ça m'a remué, c'est un livre qui remue. C'est écrit sans... Alors le truc c'est que Yasushi Inoue il n'avait pas forcément une relation très proche avec sa mère. Peut-être c'était son plus petit, je ne sais pas clairement dit. Mais il va raconter vraiment comment sa famille va vivre la vie de sa mère, comment ses frères et sœurs vont la vivre à chaque fois qu'il va la rencontrer, dans quelle situation elle est. Elle se réveille la nuit, elle va les réveiller, elle veut partir, elle s'enfuit parfois. Voilà, c'est des situations assez terribles de fin de vie. Écrite... Alors, je dirais pas sans sentimentalisme, parce qu'il y a des moments qui sont assez forts quand même. Ils essaient de comprendre en fait où elle se situe, ce qu'elle est, est-ce qu'elle vit dans ses souvenirs, est-ce qu'elle essaie de se replacer dans des contextes, parce qu'en fait, des fois, ils comprennent pas ce qu'elle dit, donc elle essaie de comprendre. À un moment, le frère de sa mère, quoi, va mourir et en fait elle va pas s'en rendre compte parce qu'au début elle c'est l'Américain en fait, il revient des États-Unis pour venir voir sa sœur d'ailleurs et elle a pas conscience que c'est lui et au moment où en fait elle va prendre conscience que c'est son frère, elle va être terrassée et elle va être terrassée. En fait le portrait qui est fait est quand même assez tendre bien que extrêmement réaliste, c'est bien écrit. Il y a des moments où ça fait trembler de peur, quoi. J'ai trouvé que c'était pas une lecture forcément facile à faire. Moi, j'ai lu Le fusil de chasse de Yasushi Inoue. Et j'avais pas trop aimé... Enfin, disons que ça m'avait passé un peu... Et là, j'ai eu la même impression, c'est-à-dire que l'écriture de Yasushi Inoue m'a pas touchée particulièrement. J'ai trouvé ça extrêmement dur... mais en même temps juste voilà, mais il m'a pas, moi il a pas touché ma corde sensible, la situation oui, parce que je trouve que c'était c'est pas facile en fait d'écrire un livre comme ça, je trouve. Voilà, je me suis dit et si ma mère avait écrit un livre comme ça sur sa mère, ou si ma tante avait écrit pareil un livre comme ça, parce que je me suis posé des questions sur ma propre situation familiale en fait. Et ça aurait pu être ça, parce que il y a des situations cocasses aussi, parce que les personnes comme ça qui perdent la tête, elles disent parfois des choses complètement à côté de la plaque, et moi j'ai des souvenirs de ça avec ma grand-mère, voilà, ça touche quoi, enfin, c'est vrai. Ça m'a touchée quand même, mais plus par l'histoire que par l'écriture. Et Yasushi Inoue est décédé à ce jour. Il est mort en 1991, donc ça fait un moment quand même. Alors, par exemple, ils disent composé de trois textes poétiquement intitulés Sous les fleurs, clair de lune et visage de neige.
Voici sans doute, dans sa brièveté et sa retenue, le livre le plus déchirant de Yasushi Inoue. Oui, déchirant, c'est peut-être le terme, effectivement. C'est un portrait de sa mère qui est quand même assez tendre, bien qu'on sent que leur relation n'était pas forcément très proche. Voilà. Et en plus, il parle vraiment de lui, c'est-à-dire que de sa carrière d'écrivain, tout ça. Donc, il l'a vu de temps en temps, avant la fin de sa vie. Ça se lit bien parce que c'est écrit assez gros. Ça se lit bien. Je l'ai lu sur 2 jours, quoi. 3 jours, peut-être. Voilà qui termine. Je suis contente de l'avoir lu parce que ça fait longtemps que je voulais le lire. J'ai coché un passage. Un jour, en fait, où elle dort et elle se réveille la nuit pour aller marcher. J'avais vraiment l'impression que son esprit flânait. Je dis flânait, mais elle ne marchait pas au hasard. Elle avait l'air d'être guidée par quelque chose. On aurait dit que quelque chose d'extérieur guidait grand-mère sans qu'elle le sache. Donc il y a des moments où on se pose des... Ça, c'est des discussions entre les frères et sœurs et les petits-enfants de la grand-mère, enfin de la mère. Il se pose des questions sur pourquoi elle a certains comportements. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. La première fois que je lis un livre comme ça. Donc ouais, rien que pour ça, je m'en souviendrai en fait, c'est sûr. Bon allez, je termine là-dessus. Et le mois de mars se termine là-dessus. Il est temps bientôt de faire le bilan parce que c'est rempli là. Il faut que je vide et que je passe au mois d'avril. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à lire mon premier livre d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois d'avril. Et voilà, faites de belles lectures. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.